Et salut tout le monde, c'est Saïlix, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur Torubash. Et on se retrouve d'ailleurs, vous pouvez le voir pour ceux qui connaissent, sur un tournoi. Voilà. Et d'ailleurs, je suis sur un tournoi à 500 TC. Et je suis aussi en Mushu pour ceux qui veulent encore plus de précision. Voilà. Donc le tournoi a pas complètement commencé. Ah, je vais peut-être faire quelques pauses quand il s'agit de trucs vraiment pas intéressants ou pas drôles. Mais pendant ce temps, je vais peut-être laisser pour à peu près voir comment les autres jouent. Et j'ai pas mal évolué depuis la dernière vidéo. Pour vous dire, dans la dernière vidéo, au départ, j'étais ceinture jaune. À la fin de la dernière vidéo, j'étais ceinture orange. Maintenant, je suis ceinture bleue. Il me reste plus que 250 combats à faire pour devenir ceinture marron. Donc, on va dire que je m'y connais plutôt bien. D'ailleurs, vous pouvez voir que j'ai 760... Non, oui, non, non, ok. Je m'emballe dans mes mots, j'ai parlé trop vite. Voilà. En bref, j'ai 775. Non, je me suis encore loupé. J'ai 750 TC, vous pouvez voir. Je me suis pas encore acheté de skin. Parce que voilà. Voilà. Donc, à mon avis, c'est forcément le vert qui va gagner. Hein. Ah oui, il y a seulement les mains et les pieds qui peuvent toucher le. Enfin, qui peuvent toucher le sol. L'autre truc, s'ils touchent le sol, bah, vous perdez à partir, en gros. D'ailleurs, le bleu risque de perdre. Enfin, après, quand c'est le bleu sur le team, oui, c'est bien le bleu, là, en fait. Ok. Voilà. Donc, le rouge a gagné. Le rouge-vert, on va dire. Voilà. Et voilà. Donc, du coup, je vais faire slash NE. Ou slash EN. Voilà. Donc moi je suis dans un combat et logiquement si je gagne ça va rapporter. Alors il y a une ceinture verte, je regarde un peu plus ce qui c'est. Ok, donc la ceinture verte c'est le bleu et comme par hasard d'ailleurs il s'est mis en vert. Et la ceinture marron bah c'est le rouge. Ok, il fait une technique plutôt connue. Voilà, il a juste à relever les jambes et les genoux et il l'aura. Salut, tu me vois? Ok. Ah, quoique. On peut peut-être faire mieux. Perso, moi j'arrive à faire un truc mieux, à peu près semblable à ça. En deux coups par contre. Ah bah autant dire qu'il a limite gagné. Là, il a juste à jeter son pied par terre, puis il a gagné en fait là. Presque ça, on peut dire. Oh, lui par contre, il peut lui filer un coup de pied à la rigueur. Par contre... Ok, non, c'est le vert qui a perdu. Bon, c'est pas encore fini, mais... Mais bon, on va dire qu'il y a peu de chances que ce soit pas le vert qui perd. Ok. Ok, il a écrit... Ok, c'est le vert qui a perdu. Vous pouvez voir. Donc voilà, c'est à moi de jouer maintenant. Alors, bon, je vais faire une petite... Allez, passe au prochain joueur. Avec qui je suis. Ok. Il a passé? Eh ben non. Et c'est une black belt. Oh purée. Bon. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. 2. 1, 2. Oh, ça c'est une technique connue. Hein. Par contre, que j'ai fait là. Oh oh. Je me suis loupé. Je me suis large loupé même. Qu'est-ce que j'ai foutu? Oh! Ok. Bon, bah là, j'ai. Ce que je vais faire. Ok. Est-ce que j'ai perdu? Eh ben non. Ça, c'est de la chance. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va éviter de se prendre un coup. Parce que j'ai l'impression qu'il va me filer un coup. On va écarter les jambes. Parce que voilà. Oh oh. Euh...
qu'est-ce que je peux bien faire? Ah, ça c'était prévisible. Ah, je peux peut-être me sauver. J'ai dit peut-être. Là, il y a vraiment peu de chance en vrai. Ok. En fait, là, j'ai surtout peur pour ma jambe. Eh mince. Ok, j'ai perdu. Bon. Du coup, on va se retrouver sur un autre serveur. D'ailleurs, vous pouvez voir comment changer de serveur très facilement. Et on va aller sur... sur du judo. Voilà. Et du coup, je vais faire comme tout à l'heure, je vais commenter, même si là, normalement, ça risque d'être beaucoup buggé. Parce que quand on commence et que c'est la... What? Oui, enfin, comme j'ai dit, c'est beaucoup buggé, quoi. Ok. En fait, je sais même pas si c'était un bug, là. Attendez. Pour être franc, j'en ai aucune idée. Aucune idée, en fait. Ok. Bon, du coup, là, je vais pouvoir commenter. Bon, lui, il aime bien le vert, apparemment. Pourtant, les ceintures marron. Ok, en fait, il aime bien le bleu aussi. Ok, on se demande pour aller créer ça. Hop. Hop. Donc alors... je crois que là, ils vont surtout essayer de rester le plus longtemps possible. Pas dans le sol, quoi. Hop. Donc alors... Hop. Qu'est-ce qu'ils font? Oui, j'étais en train d'écrire un truc dans le chat. Par contre, normalement, ça l'a pas marqué. Pour ceux qui connaissent mieux, j'ai écrit slash emote. Ok, ça servit à rien, mais ok. Bon, là, perso, si j'étais à sa place, pour me sauver, j'essaierais d'écarter les jambes. Tout simplement. Parce que je crois pas qu'il y ait vraiment d'autres moyens. Et lui, bon, ça va. Il a pas écarté les jambes. Peut-être aussi qu'il a pas eu de temps, mais... C'est un peu lent, n'empêche. Je parle de la vidéo. Hop, espace. Ok, j'appuie sur C. Je mets les deux bras en avant. J'écarte les jambes. Voilà, là normalement je donne un truc cool. What? Ok. Du coup je fais ça. Ok. Un peu mal, hein. What? Oh, je suis terriblement mal. Hop, j'espère que je vais pas crever. Ouais. Bon, après le bras. Ah, je vais peut-être pouvoir m'approcher. Ouais, c'est bon. Non, ok, je vais perdre. Ouais, bon. Ok, on va faire free play un peu. On va faire contrôle M. Ok, ouais, c'est bien ça. On va changer de mode. On va mettre le mode. Le mode. C'est le nom du mode. Hein. What? Hein? Mais c'est n'importe quoi ce mode. Ok. Du coup je vais faire petit entraînement. C'est un peu n'importe quoi quand même. Hein, ce...
Ok, mais... C'est même largement n'importe quoi ce mode. What? J'arrive plus à cliquer tellement que c'est petit à mon avis. What? Non, ça tu te bats. C'est quoi ce machin? Bon, ok, le mode le plus bizarre au monde. What? Ok! Ah ok, donc moi, en gros, ça veut dire que je suis là. C'est le truc le plus bizarre. Et le pire, c'est que c'est l'autre qui a gagné. Alors que j'étais en solo. Je fais tout passer. Hein. Allez. C'est bon. J'aimerais bien voir qu'est-ce que ça donne. Ok. Bah on peut même pas monter. Oh. Change de mode, il était trop bizarre lui. Hein. Aikido. What? Attendez, on va faire un autre truc. Hop. Mais c'est pas Aikido ça. Ok, bon bah j'abandonne pour l'aïkido on va dire. Bon, du coup on va faire comme ça. On va faire... Non, en fait on va tout mettre comme ça. Je vais vous montrer une petite technique connue. C'est, je montre ça pour les ceintures jaunes en gros. Que je voulais faire tout à l'heure mais que j'ai pas eu le temps. V. Vous cliquez deux fois là. Ok, c'est ça. Comme ça. Encore une fois, parce que le temps n'est pas vraiment fait, on va dire. Là, normalement, ça devrait être bon. Maintenant, je fais ça. 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 Vous pouvez à peu près voir qu'est-ce que ça donne. Je décolle mes mains. Ok. Hop. Je crois que je me suis loupé parce qu'il était pas assez proche. Je crois. Attendez. Ok, je me suis loupé. Ok, non, je laisse ça comme ça. Ok, non, j'ai rien compris. Pourquoi? Ok, je vais peut-être pouvoir me sauver. Je sais pas si la tête a le droit de toucher. Je vais essayer de la mettre un peu en avant. Ah, ok, j'ai perdu. Bon, et ben c'était la fin de cette vidéo sur Toribash. Et on se retrouve à la prochaine. Salut! N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce vert. Et surtout, le plus important, commenter la vidéo. C'est ce que je préfère. Salut!